Salut à tous, donc on se retrouve pour la suite de FF7 dans la région de Midil, voilà. Et on va aller à Midil, forcément. Voilà, donc Midil, hein, qui est une ville qu'on n'a jamais visitée du coup. Pour l'instant, on va aller là. Et voilà, ça déclenche un dialogue avec le chien. C'est pas du tout téléphoné comme truc, genre il décrit comme si en vrai tu parlais. Tu vois, ce qui m'a étonné, c'est ce cheveu jaune qui s'appelait Clou. Non, personne parle comme ça. Ce qui m'a étonné, c'est ses yeux bleus, quoi. N'importe quoi. Quoique, s'il y a une explication avec les yeux bleus dans le jeu. Ça vient de l'énergie Mako qu'on lui a injecté quand il était à Shinra. Si le météore était tombé, on serait pas là, je crois. J'adore le mec trop rassurant. Super le médecin quoi. C'est marrant selon les persos qu'on a dans l'équipe, ça fait d'autres dialogues du coup. Attendez, faut que je fasse un truc. Désolé hein, pour la petite coupure. C'est parce que je voyais pas le temps de la vidéo. C'est bien parce que je redécouvre le jeu avec la traduction aussi. Thank you.
fais chier, sérieux. Non, c'est celle que... Gros con, ça. Qu'est-ce que nous emmerde? Merci, sympa. Voilà, donc vous l'avez compris, on va perdre un deuxième perso. Ouais, c'est un peu le moment dramatique du jeu, hein. Le météore va s'écraser sur notre gueule, Zephyr a la matéria noire, on n'a plus que l'eau de Nitifa. Maintenant. C'est Scarlett et l'autre gros con là. Ah non, c'est pas Scarlett. Lui c'est Gahaha, ouais, Heidegger. Ah si, c'est Scarlett Gahaha. Alors si en vrai il y a un météore qui s'écrase près de... enfin qui va s'écraser sur nous, la pire connerie à faire, mais bon c'est pas grave. Parce qu'en vrai si on fait exploser un météore, ça fait 50 millions de débris de météores qui se tombent sur la planète, ça recouvre encore plus une grosse zone. Donc c'est bon, c'est un peu moyen comme idée. Hein. Mais bon là on va dire que ça va tout faire péter. Il n'y aura plus rien. Corel est fort Condor. Voilà, donc en gros, il y a des méga matérias dans le jeu. Qui servent vraiment dans le gameplay du jeu, c'est pas juste des grosses matérias qui servent pour l'histoire. En fait, vous avez vu, il y a des couleurs sur le matériel. C'est les types. Donc il y a magique, invocation, etc. Et il y a une méga matéria par... par type de matériel. Et si on met en mettre toutes les matérias d'un type, on peut les réunir dans la méga matériel en fait. Ce qui fait qu'elle prend qu'un seul emplacement mais contient toutes les matérias d'un coup. De toute façon, on verra ça plus tard. Ça demande beaucoup de farm de matériel pour faire ça. Et le meilleur endroit pour faire du farm, bah... c'est à la fin du jeu de toute façon. Ça m'étonne que c'est pas Barret qui veuille être le chef. Par les sentiments, ça va. Je suis un homme moi aussi. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Mais ok, il n'y a plus que des hommes là. Aeris est mort, Tifa s'est barré. Ah non, il y a Yuffie, pardon. Enfin bon, on va perdre, c'est une femme. Donc.
Ouais, il avait fait ouais, on peut courir. T'as la façon dont court Sid, c'est ridicule, ça, c'est n'importe quoi. On dirait qu'il a envie de pisser. Vite, faut que j'aille aux chiottes. Non, ben voilà quoi. Et ben là, on. Je sais pas pourquoi ils nous mettent là, parce que. J'aimerais atterrir, moi en fait. Oui, ok. Mais est-ce qu'on peut repartir? Mais bordel! C'est qui nous fait atterrir ce putain de vaisseau? Voilà, donc là, la suite de l'histoire, hein, c'est faut aller à Corel en premier, du coup. Et après à Farcondor, vous avez compris. Ah oui, c'est pour ça, il y avait un dialogue. What? Ah, c'est par là, c'est pour ça. Non. Ah ouais, fallait faire l'équipe, ok. Bon, on va prendre ceux qui sont au plus bas niveau. Ils n'ont pas Barrette déjà. Une équipe, allez. Ça va faire une équipe bizarre, hein. C'est pas grave, hein. C'est les deux plus mauvais persos, eux. Parce que, ben... Enfin, on va pas dire c'est les plus mauvais persos. On va dire c'est les deux persos les plus injouables, quoi. Disons que Kate Seed n'a que deux limites, qui sont très fortes mais aléatoires, donc c'est très chiant. Ça peut être soit génial, soit nul à chier. Et Vincent, bah, il a une limite forte, mais complètement incontrôlable. Donc du coup, bah, pour faire des bonnes stratégies, c'est un peu pourri, quoi. Voilà. De toute façon, on s'en fout de l'équipe pour l'instant, parce qu'on va retirer tout de suite. Voilà. Et on va retourner à Midil, parce qu'on a des trucs à faire là-bas. On a plusieurs objets à récupérer. Tiens, d'ailleurs, attendez. Des légumes. Putain, je gardais tout ça. J'ai même ces armes super utiles. Les légumes. Merde, j'ai pas de légumes. Reviens. J'aurais dû les prendre à la ferme à la vidéo précédente. En fait, on a des trucs à récupérer ici. Mais il faut des légumes pour ça. Ça doit pas être très loin la ferme. C'est là, parfait. Hop. Parler au gamin là. Tiens, on peut rentrer par là. Alors, tac. Acheter. Allez, man. Alors, ça c'est les noix, légumes, voilà. Ouais, on prend 10, on s'en fout. 10 légumes de chaque. On va prendre des noix aussi, on est des fous. Hein. Voilà, comme ça on manquera de rien au cas où. Parfait. On se barre. Alors c'est un truc un peu caché que tout le monde ne connaît pas forcément. Hop. Il y a deux trucs à faire à Midil. Un pour récupérer un accessoire et l'autre c'est le matériel je crois qu'on récupère. Merde, je vais plus atterrir. Ah voilà, c'est bon. C'est juste. Alors. Même plus où c'est. Non, déjà il y a ça. Toujours être. Toujours être. Sincère. Surtout qu'on a volé un truc. Bon, du coup, on n'est pas très sincère, mais.
Elle est bonne en astrologie, elle. J'ai acheté un peu de tout vu que j'ai de l'argent. Faut que j'ai tous les trucs dans les magasins, faut que je les ai. Putain, si ma femme dit ça. Non, je rigole. Donc ça c'est le magasin d'armes. Putain, mais elle est encore là elle. Voilà, mimétite. Eh bien ça a une erreur de traduction hein, c'est pas mimétite. Ah, et là il faut absolument lui chatouiller les oreilles. Enfin derrière les oreilles. Et on nous donne... Voilà, ça c'est un truc caché dans le jeu. Cataclysme. Ça ça a été retraduit parce que je vois pas ce que c'est. Ah oui d'accord. Ça s'appelle comment en vrai ça? Voilà, donc je vous l'ai dit, il n'y avait pas d'attaque de vent et de terre, de magie de vent de terre, mais si on a, y a ça, bah il y a fracture et tornade. Donc c'est une magie assez puissante, hein, d'éléments bah, qu'on n'a pas trop par là. Donc on va les garder, on va les équiper plus tard. Je vais les équiper entre les vidéos, ce sera plus simple. Alors, pourquoi j'ai plus d'argent. Ouais. Ok. Je fais de la merde là. On va équiper. Alors attendez. On va déjà les équiper. Putain mais ça a abusé l'argent là. On peut mettre leur meilleur. C'est le meilleur ça. Ah quoi. Bah au pire attendez, qu'est-ce qu'on peut rentrer. On peut vendre tout sauf pacificateur. Tout faux sauf pacificateur. Lance-dragon. On va vendre tout sauf pacificateur à langue de dragon. Au niveau des armes. Alors. Ça déjà on peut vendre. Quand il lance dragon, on garde, pas les autres. Ouais, et pacificateur on garde aussi. Voilà, ça sert plus à rien. Argent aussi. Je sais plus c'est lequel le meilleur diamant en platine. Alors. Mithril, diamant, platine. Ah non, platine c'est de la merde. C'est mithril qui est mieux que platine et diamant qui est mieux, ok. Donc faut garder les diamants. Et vendre les autres en fait. Ouais c'est ça, faut garder les diamants et vendre les autres. Bon désolé hein, c'est un peu le bordel ce que je fais. Mais bon vu que j'ai pas d'argent forcément. Putain y'a aussi les armes de barrette et tout là. C'est chiant qu'on peut pas voir. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Là. Faut garder les diamants, ça c'est nul. Pareil là, il y a des trucs qui servent plus à rien là. Poison, ouais, bon ça c'est bien quand même, poison obscurité. On a des rubans, on s'en fout. Ça aussi on s'en fout. Ça aussi. Ça aussi. Mimétite.
Je vois assez d'argent là ou quoi? Ça va. On va pas acheter ça et ça. Hein. On va mettre Pertuisan, Winchester. Ah, il y a les bracelets de cristal maintenant. On va acheter 3. Le mégaphone de cristal, bah, tant pis. On verra plus tard, on verra plus tard. De toute façon, j'en ai pas rien, je sais même pas pourquoi je fais ça. On verra plus tard en fait ça, je sais même pourquoi je m'emmerde. Je pourrais faire, ouais, à la fin de la vidéo, je le ferai, je fermerai et puis j'achèterai tous les équipements. Du coup, ouais, je vous ai pas montré du coup, merde. Vous voyez là dans le. Dans le magasin, bah, outre l'autre casse-couille, hein. Voilà, c'est fermé à clé. Mais en fait, alors je sais plus où faut aller exactement. T'as les partout, c'est un truc de mal. Ah, le calme et de détente. T'as l'autre avec son chocobo là. Donc voilà. Où est-ce que c'est, putain? Je sais qu'il y a un endroit où il y a la clé. Voilà, on est déjà venu. Dans la clinique justement. Ah, j'ai oublié ça. Donc ouais, on peut se soigner gratuitement dans la clinique. Pour moi c'est logique, c'est plus logique d'avoir une clinique dans une auberge. Pour se soigner. Alors... Putain, c'est où alors? C'est pas dans la clinique. Normalement, on peut retrouver la clé du marchand. Du marchand d'armes. Mais je sais plus où c'est. C'est pas le chien. Dans ce truc. Attends, elle dit quoi? Monde de merde! Alors... quand même des bons magasins ici. Putain. Il faut savoir aussi que dans ce village il y avait alors je sais plus quel PNJ c'était, je crois que c'est lui justement là, le vieux. Dans la traduction originale il parle en anglais. C'était pas traduit. Pourquoi ça fait ce bruit? Ah bah voilà, c'est ça. Putain, faut pas jouer sans le son hein. Hop, et du coup on va là.
Mort de rire. Putain, j'avais complètement zappé ce truc. Ah, nice. Non. Alors. Ah, mais là, statistique, mais... Mais en fait, j'ai pas eu tout ce qu'elle fait, ce truc. Bah, attends, on va regarder. Il a l'air normal. Je sais pas exactement ce qu'elle fait cette bug. Non, j'en ai aucune idée en fait. Bon, on regardera plus tard. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter bientôt la vidéo. Voilà, bah voilà ce qu'il y avait à faire. Fallait donner un légume au chocobo là. Au chocobo blanc pour avoir la materia. Et l'histoire de la clé pour avoir l'anneau maudit. Maintenant, on va équiper. Ah, attendez. Bonus magie, ouais. Couverture. Il faut les appâts chocobo. Donc vous pouvez en équiper deux. Pour avoir plus de chances de rencontrer du chocobo, voilà. Hop. Et en fait, là, il y a les meilleurs chocobos. Enfin, les chocobos qu'il nous faut pour... pour avoir le... Les chocobos d'élevage. Merde. Alors, il faut savoir que selon la région, on a plus ou moins de chances de rencontrer des chocobos. Par exemple, bah, les chocobos qui sont sur les traces près de la ferme des chocobos, c'est les plus simples à rencontrer. Alors que c'est presque sûr en fait que vous allez les rencontrer. Mais là, ouais, je suis pas sûr, j'ai chance plus 1, c'est ça. Les deux sont niveau 1, il me semble. Ouais, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort pour rencontrer les chocobos. Ou alors, il y a très peu de chance. Ouais. Ouais, on verra plus tard. Bah écoutez, je vais regarder à quoi sert cette bague maudite. On va arrêter la vidéo là. Et pour les chocobos, de toute façon, la quête des chocobos, on va pas la faire tout de suite parce que... il faut faire les courses de chocobos pour la quête des chocobos. Donc là, on peut capturer les chocobos et les élever, mais on peut pas faire les courses. Et les courses, c'est indispensable pour avoir des meilleurs chocobos. Du coup, bah je la ferai quand on aura tout. Tout ce qu'il faut. Pour l'instant, on va aller à Corel. Donc Corel, hein, qui est le village d'où venait Barrett, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, qui a été détruit par sa faute. C'est le village tout pété là, près du désert. Ici. Voilà. Et on va avancer dans l'histoire par rapport à la méga materia. Donc quant à moi, bah, je vais un peu farmer. De l'argent et récupérer mes persos, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Tac tac, allez, salut.